Soyez abondamment bénis, que Dieu vous bénisse tous abondamment, abondamment, et que votre joie soit parfaite. Je disais que votre joie soit parfaite, que Yahweh encore vous bénisse. C'est bien votre mission, Adoraloua avec Papa Dieu de Diasso, je suis là. Vraiment, ça fait un grand moment de temps qu'on a été ensemble, maintenant aujourd'hui Dieu nous fait encore grâce de se retrouver. Alors toi qui nous suis à ces moments, ce que je te demande c'est seulement que de te disposer et de suivre attentivement cette émission, de te disposer et d'appeler aussi ceux qui sont à la maison avec toi. Tu peux être au bureau, tu peux être dans la voiture, ou soit tu es à la maison, appelle aussi les autres afin qu'ensemble, ils vont participer à l'émission Oyo, Adoraloua avec Papa Dieu de Diasso. Alors, va dans l'air encore plus loin, j'aimerais que nous puissions d'abord chanter une chanson de la reconnaissance à ces dieux. Je voudrais que, na occasion où nous avons sali biso, tu es ma zembo ya reconnaissance. Tu exprimes reconnaissance na biso, liboso na nzambe, na nzela ya loembo oyo. Et je t'assure que ça sera une prière, ça sera une forte prière de reconnaissance que tu dois adresser à Dieu. Alors pendant que je serai en train de chanter, n'oublie jamais d'être concentré, n'oublie jamais de dire un mot à ton Dieu pendant que je serai en train de chanter pour la gloire de Dieu. Kiote masia ndenga yo nesina kufa kala Sokiote masia ndenga yo nesina beba kala Sokiote Sokiote masia ndenga yo Nesina kufa kala Soki ote masia nde bisoyo Esito zonga kutulu kala kala Soki ote Yote Yote Seconde chance, ici kabato bakangi bikuke, olobina nga okofongola kuna le kalisusu yaya. Si je n'avais pas pour moi le Dieu de Jacob, na mituni na kokaki okoma wapi, na kitiasa pe na vi nyonso ya lelo. Mbasala ba plan, balengela kutu jusqu'à la dernière minute, kasi suka mokonzi na nga kotali kambwango. Soki ote masi ya ndenga yoyo, nesina kufa kala yo. Soki ote masi ande bisoyo esito zonga putulu kala 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 ho babenga kinga moto akufa lobi po maladie si eliaki nzoto koyana yo pesi guérison bazalaki ozela bapanza yanga matanga etono mokolo ye nazongi lisusu na bomoi ngai oyo nazwi mwa valeur bato mpe bakomi oyebanga ngolu Son peu mon conzi au lingi au pesangango. Yangona koki susu ko bombateo. Affection, émotion, expression, monte mes sengina bimisi ayo. L'oembo à reconnaissance, matondo, yesu. L'oembo à reconnaissance, nanga, matondo, et matondo. Kabato bazala kiolela Nzole bimaki mingi lelo kotisa koseka Jésus Bisika bato bazanga ki elikao Lelo tomboli bango mokili ekomyo kamoye Makambo salaka na bomo ya bato Etikala kali tatoli Mikolo na mikolo ekomyo lobela yango Bikeke nyonso ekoyeba sangwa bolamu mokonzi Kosali na vinanga mpe libote kotatola yo Yesu Soki ote masia ndenga yoyo Nesina kufa kala yawe Soki ote masia ndenge doyo Esia zonga putulu kala nima na bakusu Soki ote masia
soki ote ay ay soki ote oh moto babenga ki sterile komba bakata ba trompe velo simbisi ebana nyonso eza bolamu na yo moto babenga ki chomere mosala eza te atanga mingi lelo otomboli akomi mpe koangage bato jésus soki yo te me valere nazwi lelo mokonzi nani akokaki opesa ngai oyo yango soki yo te masiya nde ngai oyo nesi nakufa kala 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 yaya soki yo te masiya nde ngai oyo nesi nazonga butulu kala 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 ye mingi yesu balala libanda balala na bageto lelo bakomi olala na baimeble mpo oyo ndozali na bango yango tokoki obosana te tokoki oboya te bolamu na yo esengi matondo ya yo soki yo te lokumu topesa nani topesa nani yawe nyonso yanga ekosanjola ye mokonzi oyo andimani waponanga mowero edigne de louange je sais pourquoi je l'adore à genoux bilembo ya motema mba efasaka te o bilembo ya motema ya jésus mba efasaka te o bilembo ekoti motema yayae mba efasaka te o yango ya mbala oyo yaya nakosanjola nkombo na yo ya mbala oyo yaya nakosanjola nkombo na yo ya mbala oyo yaya nakopesa lokumu epa na yo onereza na yo ya mbala oyo yaya nakoyembela kaka yo kaka yo kaka yo ya mbala oyo yaya nakosanjola nkombo na yo nkombo na yo ya mbala oyo yaya nakolela te nazwi mosala ya kokumisa kaka yo ya mbala oyo yaya nakolela te nazwi mokano ya kotombola kaka yo ya mbala oyo yaya nakosanjola nkombo na yo yaya ya mbala oyo yaya tokoyembela kaka yo kaka yo yesu tokoyembela Alors c'était la reconnaissance. En fait, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes en train de vivre, la bonté multipliée, la grâce multipliée, tout ce que nous sommes en train de vivre est là, c'est Dieu. Alors je voudrais rappeler à une personne, par exemple, ou Kobo Tate. Mingi pe baloba que ose kombo mela milangi. Mingi pe baloba que moi, si on a condamné à Robotate, mon bali, on a condamné à Robotate. Mais bien aimé, talaka, depuis que tu as accepté Jésus-Christ, au Simbabana, depuis que tu as placé ta confiance, ta foi à Jésus-Christ, lelo, ou comment maman a pas ça? Tu es mère des enfants, père des enfants. Alors, tu as maintenant une famille, tu as tes propres enfants. Ça, c'est une grâce. Alors, j'apporte aussi un message à celui qui n'a pas encore vu les enfants. À celui dont le médecin des gens dit, les gens des gens parlaient, que non, tu n'auras jamais un enfant, reste calme, tu ne vas pas avoir des enfants, toi tu es condamné, tu n'as pas de trompes, tu as des complications, ceci, cela. Moi, je vais te dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui a entre ses mains le pouvoir, la puissance et tout ce qui est comme possibilité d'avoir les enfants. C'est Dieu qui est dans la maison de fabrication, celui qui fabrique les enfants, celui qui nous donne les enfants. Alors, bien-aimé, garde ta confiance à Dieu et ne te désespère point. Tu auras tes enfants. Écoutez ce qu'il a dit à Abraham et Sarah. Il a dit, l'année prochaine, na héros, borozana moi na moroboui. Alors, le fils, c'était Isaac. Alors, ne sois pas pressé.
Ne sois pas pressé de dire que Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie personne. Ne sois pas pressé de dire que non bien aimé, pour nous souquitter. Sache que Dieu, aujourd'hui dans cette émission, il est prêt à te donner un enfant. Il est prêt à te donner une famille à toi aussi. Alors ne te décourage pas. Je voulais directement dire aussi à cet étudiant, qui me suit à ce moment que malgré les difficultés de frais académiques, malgré les difficultés que tu racontes au Koutanango pour Namarambo à classe, alors sache qu'il y a un Dieu qui donne la possibilité. Dans cette émission, je t'annonce une chose. Tu finiras par terminer tes études et tu seras un cadre. Amen. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. J'annonce à un papa, à un frère, une sœur qui a aussi terminé les études, mais qui n'a pas un travail, que le Dieu de la Bible est vivant. C'est lui qui a la possibilité de tout faire. Lorsqu'il décide, personne ne change. Alors, fais confiance à Dieu. Alors, au travers de cette adoration, dis Dieu, je crois toujours. Dis Dieu, j'ai toujours confiance en toi. Ne perds pas courage. Dieu est auprès de toi. Et dans cette mission, sache que Dieu le Tout-Puissant est là et il veut te rendre heureux. Il veut te rendre heureuse et il veut faire quelque chose dans ta vie. Ne te décourage pas. Alors que Dieu te bénisse abondamment, avant d'entrer encore dans ces moments profonds de l'adoration, nous allons lire un verset biblique. Nous allons lire la Bible et après cela, nous allons chanter. Alors ne te décourage pas. Que cette adoration t'apporte encore une force. Que cette adoration te fortifie. Que cette adoration, bien-aimée, que nous venons de dire à Dieu, ce qui est souté, ce qui nous a embêté, ce qui a quitté, ce qui a zala quitté dans l'ikambunayo, est-ce que tu pouvais avoir la solution? Alors sache que Dieu est là. Dieu est là présent. Et la disposition de ton cœur permettra à Dieu d'agir. Lisons la Bible. Fais de ces versets ta prière de chaque jour. Avant que nous entrons dans l'adoration, nous allons d'abord lire ces versets. Lisons la Bible. Psaume chapitre 112, versets 1 à 2. Versets 1 à 3. Bible. Louez l'Éternel, errez l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison et sa justice subsiste toujours. Je répète, la Bible a dit « Louez l'Éternel, errez l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison et sa justice subsiste toujours. » Errez l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve le plaisir dans le commandement de l'Éternel. Le centre ou la source de toute bénédiction, de toute évolution hérèse. La source pour être béni, pour marquer son époque, pour laisser une histoire, pour faire de grandes choses dans la vie. Sur cette terre, il y a seulement deux choses qu'il faut connaître. La première des choses, c'est la crainte de Dieu. Quand on craint l'Éternel, on est sage. La Bible a dit quelque part, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. On doit craindre Dieu. Quand on craint Dieu, on bénéficie de toutes ses faveurs. Quand on craint Dieu, nous sommes errés pour toujours. Et la Bible ajoute encore, qu'il trouve son plaisir dans le commandement de Dieu. Alors, notre plaisir doit être dans le commandement de Dieu. Le plaisir ne doit pas être de passer à la télévision, de critiquer les autres. De passer à la télévision, de juger les autres. Mais le plaisir d'un enfant de Dieu, c'est de garder les commandements de Dieu et d'aider aussi aux autres, d'aider aussi le proche, le voisin à observer et à garder les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que nous tous, nous voulons être bénis. Et la bonne bénédiction, c'est lorsque tout le monde est béni. Lorsque tout le monde est béni, il n'y aura jamais la jalousie. Il y a aujourd'hui la jalousie, il y a des haines parce que il y a seulement une partie de gens. Il y a seulement un groupe de gens qui se concentrent à craindre Dieu, qui se donnent à Dieu. Et les autres ne les font pas. Mais lorsque les autres sont bénis par l'Éternel, c'est maintenant ceux qui
négligent la loi de l'Éternel, qui viennent pour dire de n'importe quoi au sujet des autres. Voilà pourquoi toi dans ta vie, tu dois faire très attention. Tu dois observer, craindre Dieu, tu dois respecter Dieu et encore, tu dois avoir le plaisir dans les commandements de Dieu. Amen. Tu dois avoir le plaisir dans les commandements de Dieu. C'était ça l'exhortation d'aujourd'hui. La Bible dit, le bien-être et la richesse sont dans sa maison, subsistent toujours. Quand tu vas faire cela, quand tu vas donner confiance à Dieu, quand tu dois accepter, tu vas accepter de marcher avec Dieu, sache que le bien-être, la richesse ne quittera jamais ta maison, ne quittera jamais ta famille, parce que vous êtes une génération des hommes droits, une génération des hommes à qui l'Éternel fait confiance. Que Dieu vous bénisse, c'est bien votre mission d'Ora Loa. Alors, au moment où je suis en train de parler, si tu sais que dans ton cœur, tu es reproché de quelque chose, si tu sens qu'il y a quelque chose qui peut t'empêcher de ne plus vivre la gloire de Dieu, si c'est le péché, écoute ce que la Bible dit dans Jean 1, Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors, tu dois seulement t'incliner là où tu es. Tu dois dire un mot à Dieu. Tu dois t'incliner, tu dois descendre. Et tu dois dire à Dieu de te pardonner. Et tu dois accepter de recommencer une vie nouvelle et sainte avec Dieu. Et tu dois prendre l'engagement de dire à Dieu, pas par ma force, mais par ta force, rends-moi fort de t'obéir et d'avoir toujours plaisir dans tes commandements. Alors je te laisse le temps, prie, dis à Dieu ces paroles, prie, parle à ton Dieu, dis à Dieu de paroles, dis Seigneur, je vais réellement rester ton enfant, je vais réellement rester dans ta maison, je veux réellement que ta crainte soit dans ma vie comme une semence et que cela puisse pousser de plantes et que le fruit de ta sainteté se manifeste dans ma vie. Dis à ces dieux d'être le centre de ta vie, d'être au centre de ton cœur et de te dominer. Éternel Dieu, merci pour ce moment. Merci pour cette maman, merci pour ce papa, merci pour cette sœur et pour ce frère qui ont ou qui a accepté de s'incliner devant toi et de réparer avec toi. Oui, il veut vivre le bien-être et il veut vivre la richesse de Dieu. Voilà pourquoi il a compris qu'il a été coupable et maintenant il est revenu pour te dire qu'il accepte de recommencer avec toi. Seigneur, reçois-lui dans ta présence. Reçois-lui et aide-lui encore de recommencer une vie sainte et de vivre à la conformité de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, demeure le Dieu de sa vie. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, que Dieu bénisse abondamment. En fait, dans l'émission Adora Loa, on ne prend pas vraiment trop le temps, bien que le temps vraiment nous cause un peu défaut. Nous sommes là juste dans quelques minutes. Alors, pendant ces minutes, j'aimerais que, et les kakayo pambate, et les kakayo dans concentration, tu prends quelque chose de l'important, tu fais de cela ta vie et tu vivras le bonheur de Dieu ou le miracle de Dieu. Alors, nous allons rapidement chanter ou adorer Dieu ensemble. Si tu connais la chanson, tu peux chanter avec moi, même à la maison, là où tu es là. Si tu ne connais pas la chanson, tu peux seulement dire, Seigneur, Seigneur, prends ma vie comme un parfum de bonne odeur, domine dans ma vie, rayonne dans mon cœur et fais de moi ce que ton cœur veut. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Pendant que je serai en train de chanter, toi, dis ces paroles si tu ne connais pas la chanson. Mais si tu connais la chanson, tu peux chanter avec moi. On te dit ce que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me réponds, fais de moi ce que tu voudras.
devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Comme la jule devant les potiers. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes pas. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Comme la jupe devant les potes, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi, devant toi. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon chemin sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Yahweh sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon bonheur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Ma richesse sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon Yahweh sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon Yahweh sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon bien-être sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Yahweh sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Yahweh sur son trône. Alors nous sommes déjà à la fin de cette émission. Maintenant nous allons vous donner certains programmes qu'on a. Alors, je dis vraiment un grand merci à tous ces gens-là, à tous ces gens qui continuent à nous appeler.
Vous saviez, on a aussi besoin de vos exhortations. Je dis un grand merci à Batoto, Batine de la Ranga, partage biblique, exhortation dans WhatsApp, tout cela, on a un retour. Alors que Dieu vous bénisse abondamment pour cette prévoie. Il y a amour au Bozo Laksa, au Liboso, il y a Ndekonabino, votre très cher bien-aimé que je suis, Dieudonné Diasso. Que Dieu vous bénisse pour ça. Je dis un grand merci à toute l'équipe qui nous ont soutenus et qui était déjà avec nous depuis 2016 quand on a commencé à Doraloa. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer, d'exceller, d'évoluer avec Dieu parcours normal. Un grand merci à tous ces gens-là qui sont de cœur avec nous. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Et je voudrais dire aux enfants de Dieu, on a consommé la chanson Infiniment Grand qui est sur YouTube, Congo Bravo TV, Bobeta Guido Diasso, ou soit au côté de Congo Bravo TV, chaîne Nabiso Tozali. Alors, au Kotiwana, tu verras vraiment. Et ça, dans l'émission Zawana, clip Zawana, il y a Infiniment Grand. Zembo Toyembitolobi. Malobolo Banangayo, dans le secret, Mote ma témoin. Et la tinzoto yeswe et papa fouille de mes lèvres en goyo ya yo na embeli yo nzembo yo ya ya na kumisi yo yeswe et papa mboli mwa motema na nga se yo Jésus ah Jésus yo nde nzambe ya Doraloa yo nde nzambe ya Diedo Diasso Alanzambe na yo, place en info tsara combo na yo pe, parce que Alanzambe na yo. J'aime encore une partie dans la chanson, je chante, je dis. Olokotanga, kunana fulu jeté dans les néants. Yo pe si important se na bomo inanga. Olokotanga, kunana petro Congo jeté dans les néants. Yo pe si important se na bomo inanga Olokota Junior Diasso Olokota Charlie Kanga Olokota Mimi Geraldo Olokota Patti Kayembe Olokota Mama Astrid Olokota Nicole Yala. Vraiment que Dieu bénisse abondamment, nous sommes ensemble, que la paix du Seigneur soit avec vous. J'aime le gens là, hein, Nissi, que Dieu bénisse. Kombozo Kim, vraiment j'aime quand tu commentes les émissions. J'aime vraiment que Dieu te bénisse. Waouh, soyez vraiment béni. Ma sœur Nissi, le nom m'échappe, mais je connais quand même le prénom là, Nissi. Ça m'interpelle quelque chose. Je crois demain ou soit l'émission prochaine, je vais vraiment bien citer ton nom, Nissi. Que Dieu bénisse tous abondamment. Nzambe a kozanga te ko pambola yo. Écoutez attentivement cette chanson. Je vous dis, lorsque je coupe cette chanson Infiniment Grand, je ne sais pas. Et lorsque je prends de témoignages, chaque jour, chaque heure, chaque moment, les gens m'appellent, les gens m'écrivent pour cette chanson Infiniment Grand. Alors je dis seulement gloire à Dieu. Alors, Nalingi yope ou expérimenté, onction tope, nguya onzamba déposé na kati nzembo Infiniment Grand. Dieu est là pour changer une histoire. Yavinayo. Alors, Infiniment Grand, c'est une chanson qui nous démontre la grandeur de Dieu. Naimbi nabi, Namo kilio ele kio akoza la te Mokotele kio yanga jezi Baka namo kili bazonga putulu Bateka bonzambe basuka nde mabe Mbaka tata mutu natika nzambe te. Alléluia. Donc c'est une chanson très profonde. Boyo kango, bo continue koyo kango, bo pesa corps à m'esprit dans yo kango et Dieu n'hésitera jamais de vous bénir abondamment. Alors, sans plus tarder, je vois déjà mon oncle Jacques Sobanoka, le roi Hiroshima. Jacques Sobanoka, je salue vraiment tout le monde. Vraiment, on a habité dans Obanini, vraiment pour le roi Hiroshima. On a habité dans Obanini, vraiment pour Jacques Sobanoka, bah, oncle Nangawana, à la famille. Hein. Je vous aime tellement beaucoup. Vraiment, que Dieu bénisse. Parce qu'on est là, c'est la famille. Je salue tout le monde, tous ceux qui sont avec nous dans cette émission Doraloa. Nzamba Pambola Bino. Bientôt, on va lancer une chanson, notre deuxième chanson, Siège de ma foi, bientôt. Alors, cette chanson demande vraiment vos soutiens, demande vraiment trop. Alors, nous voulons faire des clips professionnels. Nous voulons vraiment travailler pour la promotion de cette chanson. Boyo Kango, et Bima, c'est une
très bonne chanson, une chanson remplie d'onction, une chanson jamais vue. Naye mbanangai, mena bisabino, ça encore. Non. Alors et kending mon a ben fini ma grand. Tombo yo kan zembo siège de ma confiance. Bozanga toku misanzam. Alors restons ensemble. Alors travaillons pour la promotion, travaillons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si Dieu te touche, si Dieu te fait grâce, appelle-nous. On a besoin de continuer le studio parce qu'on va réellement faire 5 chansons, mais jusque-là, on a fait seulement 2 chansons. Infiniment, grand P. Oizobima, siège de ma confiance. Alors, nous voulons faire de plus professionnel. Nous voulons vraiment donner la qualité et nous voulons, cette fois-ci, tout le monde que nous avons mis soit en Zamamamamikete, en Zamamamamineni. Alors, nous voulons faire la promotion proprement dite de cette chanson et de l'œuvre de Dieu. Alors, viens nous contacter dans ces numéros. Bobenga Bissot, vraiment, on a posé la peine Nabino pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Non, c'est la peine Nabino. Bobenga Bissot, parce que Nabino les a souhaité. Alors, je vous demande aussi humblement de s'abonner massivement. Bon, s'abonner massivement na Diaso TV. Et ça, on a son lingo zo lien en haut. Tu m'écris na WhatsApp, na otin de l'olien en haut. Bon, s'abonner massivement kuna parce que tant bon s'abonner, tant bon landa ba vidéo, tant bon s'abonner massivement et permettre plus avancement Eve en Zambé. Alors, nous sommes toujours na Congo Bravo TV. Alors, nous sommes toujours na Congo Bravo TV. Vous aurez des émissions na Congo Bravo TV. Vous aurez des émissions na Diaso TV. Alors, abonnez-vous massivement. Sotali, au côté de YouTube, au Betika ka Dieu de Diaso ou soit Diaso TV, au moins, on a émis sur l'image de son papa Dieu de Diaso. Alors, au Tali, au moins, na sali émission, moi, j'en ai quatre, on a des chemises, il y a moi jaune, il y a moi chocolat, je crois, c'est chocolat, chemise moi chocolat. Na profil, nango po mon photo, nange zawana, na chemise, on a raya chocolat, na moi mire, moro boyoana. Alors, beau s'abonner, wana massivement. Je vous demande vraiment beau s'abonner. On a besoin de vous. L'œuvre de Dieu demande vous, votre apport. Moussa Nzambe Senga, Yozala, Nga Nzala, Ndende Alobi, na Bible, là où deux ou trois se réunissent à mon nom, je suis là parmi. Et Senga, que Yozala, Nga Penazala, pour qu'ensemble, tout travaille pour l'avancement, Eve Nzambe. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Le Kumozo Nzambe. Je dis toujours un grand merci à John Abdallah. Hein? John Abdallah, mon grand frère. John Abdallah, que Dieu te bénisse. Un grand merci encore à Batnios Balandarabi sur l'émission Adora Loua. On est là. Que Dieu bénisse. Retrouvons-nous, bien sûr, prochainement. Et Yahweh ne manquera pas de vous bénir. Je manque à dire, franchement, on est ensemble. Mais surtout, n'oubliez pas de s'abonner à Diaso TV. Pebo s'abonner massivement à Congo Bravo TV. En déplacement à Kambwe Banda, en déplacement à Tozali, en déplacement. Je veux évoluer. Alors, Diaso TV, présent la poste, il y a un abonnement à Bino. Vous s'abonnez normalement beaucoup à Diaso TV. Je salue Papa Bruno Kitiaka, Claude Diaso Matadi. Je salue Banos Matadi, Bazarananga quand je suis à Matadi. Que Dieu bénisse tous abondamment. Je salue tout le monde. Que Dieu bénisse tous abondamment. Appelez-nous. Continuez à nous appeler. Soyez abondamment bénis.